Après l'annulation du scrutin du gouverneur du Maniema par le Conseil d'État, l'Union des étudiants de cette province vivant à Kinshasa plaide pour l'arbitrage du président de la République pour sauver l'image de la justice. Dans une déclaration rendue publique, cette structure de la crème intellectuelle du Maniema invite le Avons Conseil suivi avec d'État de attention. corriger l'erreur matérielle commise lors de sa décision, confirmant le gouverneur élu avec 18 voix sur 22 en la personne d'Hubert Kindanda Kishabongo. Avons suivi avec attention soutenue la tenue des élections de gouverneurs et vice-gouverneurs dans les 14 provinces à problème, dont la province du Maniema, à l'issue desquelles 18 sur 22 députés provinciaux qui composent cet organe délibérant avaient voté pour l'honorable Hubert Kishabongo Rajabu Kindanda et Tchouma Yafali, respectivement gouverneur et vice-gouverneur. Lequel résultat, l'UEMA avait appris à sa grande satisfaction, car, élisant l'un de ses anciens présidents dont les capacités intellectuelles, managériales et leadership ne sont plus à démontrer après 12 ans de son passage à la tête de l'Assemblée provinciale du Maniema. Qu'à la suite d'un recours en appel devant le Conseil d'État de certains candidats malheureux, le Conseil d'État a rendu un arrêt, lequel annulant celui de la Cour d'appel du Maniema, ayant confirmé la décision de la CENI, proclamant provisoirement élu gouverneur et vice-gouverneur du Maniema que l'UEMA a appris avec consternation. Nous demandons 1. L'implication personnelle du président de la République, chef de l'État, son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en sa qualité du magistrat suprême et garant du bon fonctionnement des institutions qui, dès son avènement, prône sur le tas de droit. Car la paix, la stabilité et le développement de la province du Maniema, qui a tant souffert sans un exécutif élu pour engager pleinement la province, en dépendre. 2. Aux autorités politiques et judiciaires, chacun en ce qui le concerne, de s'impliquer pour sauver la province du Maniema. 3. À la population du Maniema, de ne pas céder à la manipulation politicienne ni au triomphalisme qui ont tant constitué un goulot d'étranglement au développement de la province.